مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت Contrairement à l'annonce de l'introduction du portail Ronef dans sa phase d'essai, il y a deux ans et qui a été très médiatisé. L'entrée en service actif de ce navire au début de cette année s'est déroulée dans la discrétion. Probablement, pour des raisons géopolitiques. Avec l'entrée en service actif du TCG, Anadolu, la Turquie rejoint le Club des Marines moyen Orientales, qui dispose de ce genre de bâtiment de commandement, de débarquement et de projection des forces, capable de transporter des véhicules, des chars, des hélicoptères, des avions légers, et surtout des drones. Le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à acquérir ce potentiel naval fut l'Algérie, en introduisant officiellement le 28 mars 2015 le Calahad Beni Abbas, qui est dérivé du navire amphibie et porte-aéronef italien de la classe San Giorgio, et qui a été construit par les chantiers navals Fincantiri en Italie. Le deuxième pays du Moyen-Orient, qui a réussi à équiper sa marine de deux navires amphibies porte-hélicoptères de la classe Mistral, a été l'Égypte, avec la réception du premier au début juin 2016, et du deuxième qui a été livré par des CNS en France, le 16 septembre 2016. Ils ont été baptisés Gamal Abdel Nasser et Anouar El Sadat. La troisième puissance régionale a adopté des porte-aéronefs dans ses forces navales, a opté pour une approche différente. L'Iran a préféré comme d'habitude innover et faire autrement que les autres, il a transformé un navire civil en porte aéronef. Cette idée originale a permis à Téhéran de procurer à sa marine une solution rapide et moins coûteuse. Le Shahima Davi peut mettre en œuvre des hélicoptères lourds et un très grand nombre de drones. Le TCG Anodulu, qui porte le numéro L400, est dérivé du porte-avions espagnol de la classe Juan Carlos, dont l'Espagne possède un exemplaire et l'Australie en possède deux. Sa construction sous licence a officiellement débuté le 30 avril 2016 au chantier CDF, dans la baie de Tuzla, à Istanbul. Son premier déploiement opérationnel à la fin 2022 fait de la Turquie le quatrième pays du Moyen-Orient. Disposant d'un porte-aéronef. Il est le vaisseau amiral et le premier porte-avions de la marine turque. En 2019 est lancé le projet d'un sister-chip, le TCG Trakya. Tous ces porte-aéronefs sont considérés comme les pièces maîtresses pour les marines qui les emploient pas seulement parce que ces navires sont les unités les plus lourdes dont ces marines disposent, mais parce que ce sont des bases avancées pour débarquer et commander des forces expéditionnaires. Ces plateformes navales sont, servent donc à déployer des troupes amphibies mécanisées, blindées et aéronavales, à leur fournir une base aérienne et logistique, un appui-feu et même un hôpital pour l'assistance médicale. Sans oublier que ce sont ces portes-avions qui commande les autres navires de la flotte qui l'escorte. Ankara maintient une présence militaire importante à l'étranger et déploie des troupes au-delà de ses frontières. Que ce soit au Proche-Orient, en Afrique, dans les Balkans ou dans le Caucase, ces théâtres d'opérations peuvent justifier pour Ankara la nécessité de disposer de porte polyvalents, capables de soutenir ses forces puisque les besoins et impératifs géostratégiques sont forcément différents pour les marines des pays que nous avons cités c'est plus pertinent de présenter en détail tous ces ports avions chacun à part et par ordre chronologique nous essayerons de consacrer le prochain enregistrement au Kalab Bani Abbas algérien la deuxième vidéo sera consacrée au Gamal Abdel Nasser égyptien la troisième parlera du porte aéronef iranien Shahid Mahdavi. La dernière vidéo de cette série évoquera le cas du TCG Anadolu turc. Cette course à l'armement entre les puissances moyennes orientales dans le domaine aéronaval aboutira à doter ces nations de moyens d'intervention au-delà de leur carré géographique. Cette capacité expéditionnaire pèsera de plus en plus lourd sur les perceptions diplomatiques et contribuera au prestige de ces pays aux yeux de leur propre population et aux yeux des autres forces amies ou ennemies. le plus notable dans ces évolutions est surtout la tendance de ces pays à vouloir construire leurs portes aéronefs par leurs propres moyens et non seulement de les acheter à l'étranger. Que ce soit en construisant ces navires sous licence, accompagnés par des transferts de technologie, comme dans le cas turc, ou en développant des solutions innovantes et originales, comme dans le cas de Téhéran. Ce processus, de se doter d'une industrie navale lourde est très long, et chacune de ces étapes peut prendre une dizaine d'années. Si l'effort de ces marines est maintenu, un jour prochain verra leur dotation, en véritable force aéronavale, disposant de porte-avions, capables de mettre en œuvre des avions de chasse classique. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك او زر الجرس ليتم اخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبارسال الفيديو الى معارفكم المهتمين